Comment comprendre les genres de noms en anglais? Est-ce que en anglais il existe le genre masculin ou le genre féminin? Alors dans cette leçon, je vais vous expliciter les genres de noms en anglais. <music> Body, it's your coach Romley, the bookworm. Comme je disais en introduction, on va voir les genres de noms en anglais. Est-ce que le genre de noms en anglais est-ce qu'il y a masculin, il y a féminin, est-ce que ça existe vraiment? Il y a beaucoup de personnes qui disent non en anglais, il n'y a pas les genres masculin, il n'y a pas les genres féminin, c'est toujours comme ça, il y a être. Alors dans cette leçon, je vais vraiment vous expliciter des A à Z les genres de noms. En anglais. Alors, nous allons passer dans la version ordinateur pour vous expliciter en ordre et vous expliciter en profondeur les jars de noms en anglais. Alors, nous sommes dans la version ordinateur. Rapidement, nous allons avancer pour comprendre les jars de noms en anglais. Comment ça se passe, comment utiliser le jar masculin ou soit comment utiliser les jars féminins en anglais. Alors, ici, on dit ceci. On parle très peu du genre de nom en anglais, car ils ont un jardin naturel ou soit neutre. Les noms de personnes sont repris par yi, qui veut dire les sexes masculin ou par she, sexe féminin, et les objets par it, pronom neutre. Certains noms ont une forme indifférente au masculin et au féminin. Uh, vous comprenez déjà qu'avoir les jardinon vous comprenez ce que je voulais dire on peut préciser les genres des noms à l'aide de male female boy girl man ou woman alors on peut préciser les genres du nom avec male qui veut dire mâle female qui veut dire femelle boy qui veut dire garçon girl qui veut dire fille man qui veut dire homme et woman qui veut dire femme, male, female, boy, girl, man and woman. Par exemple, a male nurse, a male nurse, cela veut dire un infirmier. Et si tu veux dire une infirmière, en anglais tu vas dire a female nurse, a male nurse, a female nurse. A boyfriend, a boyfriend, un copain. Et une copine, en anglais, on va dire égal friend, égal friend. A, a policeman, un policier. A policewoman, une policière. Vous comprenez que pour exprimer, dire un policier, on a dit un hein, policeman. C'est-à-dire, on a fait en sorte de pouvoir courir avec man pour exprimer un policier et une policière. On a fait de notre mieux de faire l'appel avec woman pour dire une policière qui veut dire a police woman actor actrice ici nous avons actor qui veut dire un acteur actress qui veut dire une actrice prince un prince princess veut dire une princesse waiter veut dire un serveur waitress qui veut dire une serveuse father papa mother, maman, brother, frère, sister, sœur, husband, mari, wife, euh, femme, uncle, l'oncle, aunt, la tante, king, king veut dire euh, le roi, et queen veut dire la reine, hero veut dire un héros, et heroine veut dire une héroïne. Widower veut dire un veuf et widow veut dire une veuve. Bridegroom veut dire le marié et bride veut dire la mariée. Bull veut dire les taureaux et cow veut dire la vache. Bull, cow. Donc, vous comprenez exactement en ce qui concerne les jardinons en anglais. Donc, il n'y ait pas de complications. Si vous suivez seulement ce que je viens de vous dire, vous n'aurez pas de difficultés pour exprimer une chose en ce qui concerne les genres du nom en anglais. Alors, j'espère que vous avez compris comment on utilise les genres de nom en anglais. Les genres masculins ainsi que le genre féminin. Qu'il n'y ait plus de confusion quand vous voulez utiliser les jars masculins en anglais ou quand vous voulez utiliser les genre féminins. among them. it's your culture romley the bookworm life is a challenge take care of yourselves my friend goodbye <laughs>